Vlogos! On est en vlog aujourd'hui, vlog très particulier parce que vous n'allez pas voir les mêmes personnes que d'habitude. Il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Guillaume, il n'y a pas Benjamin, il n'y a pas Lucas. Mais vous allez voir, par contre, là on voit qu'il y a Camille. J'ai hyper chaud. Par contre, mais c'est sûr Camille, regarde là, tu fais que tout depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, vous allez voir les personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir à Maison Grise. Vous allez voir. On vous montre l'envers du décor. On vous montre l'envers du décor et on s'est dit pour l'occasion qu'on allait élire qui est le meilleur monteur. Exactement. Vous allez voir les gens qui montent les vidéos, donc les cadreurs monteurs vidéo, garçons et filles de toute la team. Et donc, quoi, Camille, on a décidé de faire un gros challenge de montage, pas de vidéo, mais de montage de chaises. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, ils sont au courant, on va les chercher tout de suite. Attends, on explique. On a reçu des chaises de bureau, donc un peu complexe à monter et tout, avec plein de pièces et tout. Et là, ils vont être par équipe. On va les mettre par équipe de, c'est des équipes de combien? De 3, il me semble. C'est ça, donc on a reçu 6 chaises ergonomiques pour, voilà, pour les mettre bien en ouais. Bas, pour qu'ils travaillent dans un confort optimal. Donc on va faire 2 équipes de 3, et c'est la première équipe qui monte ces chaises qui gagne. Voilà, donc en plus, c'est un vlog particulier. Pourquoi? Parce que déjà, on filme pas avec la caméra. On filme pas avec la GoPro d'habitude. On filme avec un GH5, c'est hyper lourd. Et on a même des micros. On a même des micros. Attends, ça va être un vlog avec du montage. On a jamais. Bon, je suis désolé. Désolé pour le montage. Désolé. Il y aura des plans accélérés. Être un peu plus de qualité que d'habitude. Voilà. On s'excuse vraiment. Et là, on va descendre au sous-sol. On va descendre au sous-sol, aller voir les monteurs. On arrive. Ayez l'air de travailler. Voilà, donc là on est en vlog, la team. Écoutez, je suis vraiment concentrée et efficace dans mon travail. Donc on a décidé de les mettre bien. En fait, on a décidé de changer totalement leur setup. Donc là, vous allez avoir tous une nouvelle chaise hyper confortable. Oh non, je m'y attendais pas. Ah ok, donc ouais, ils deviendront pas acteurs demain, ils vont rester monteurs. On a expliqué le concept, on va faire 2 équipes de 3. Ok. On va tous dans le chapiteau maintenant. Okay. Allez, c'est parti. On dirait un cours de PS. Ah bah oui, là, c'est un cours de PS, là. Allez, on se retrouve là dans le chapiteau. Amène les dents, mon gars. Fait un peu froid. On est actuellement dans le chapiteau où vous voyez que vous avez chacun... Mais c'est pas possible. Donc les amis, 2 équipes de 3. D'un côté, Agathe qui est ici, Quentin alias BAGT, Geoffrey alias Mr. Joe. Première équipe, équipe A. Trouver un cri de guerre. À où? Ça fait pas peur. Hein. Et la deuxième équipe, Alex, Ninoul et Marine. Faites un cri de guerre. Ouais. C'est déjà une stratégie. Petite subtilité. Le partenaire qui nous offre gracieusement ces chaises Maxnomics, il est là, le client. Et il s'appelle? En plus, il s'appelle Max. Il s'appelle Max. Il est juste derrière moi et ça va être un bonus. À un moment donné, je vais vous poser une question de culture générale, accès YouTube. L'équipe qui a la bonne réponse aura le droit de 1 minute de Max. Et 1 minute, ça représente à 15 minutes d'Alex à peu près. Bon, à 3, on va commencer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la caméra pour mettre un plan accéléré, je pense. Je peux faire le décompte, je peux faire le décompte. Allez, Camille. 3, 2, 1, que t'es. Attends, faut ouvrir le carton. Alex, ça y est, là, il est parti en... Il faut ouvrir le carton. Nous, on a une déclic ici, chacun fait un côté. Ouh, Alex, qui commence à ouvrir son petit carton. Il a ouvert en premier. Attends, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est terrible. Ok, ça marche. Arrête de. Il a déjà cassé sa chaise là, Alex. J'ai fait n'importe quoi, j'ai lancé sur la gueule. Mais attends, mais c'est hyper lourd en vrai. Oh, il y a un petit manuel. On dirait vraiment des enfants là qui ouvrent leur cadeau de Noël. J'adore. Non, mais c'est fou. Ah, il y a un petit coussin. Ok. Allez. Là, on sent qu'il y a Agathe qui prend un peu le lead. Mais Agathe, déjà, elle a un petit avantage, c'est qu'elle a. Elle a commencé à monter. Elle a commencé à monter quelques chaises déjà à Maison Grise. On pose genre là pour faire un plan accéléré. C'est hyper lourd, non? Oui, c'est genre. Ah! Eh, hey, mais, eh! Hey, ça... Hey, ça se frappe ici, là! C'est hyper dangereux ce que tu viens de faire! Mais t'es un grand malade! Fred, filme-moi. Je vais faire une surprise. Mais les gars, faites des efforts. Ils ont déjà déballé tout leur siège et tout. C'est encore dans le plastique, vous. Ah, j'ai pas de roue, moi. De ce côté, ça avance beaucoup moins vite. Hein. J'arrive pas. Oh, je peux plus. Mais non, mais te laisse pas distraire, Alex. Oh, oui, il adore ça. Il y a pas des outils? Oui.
Ok, tes outils, c'est tes mains. Non, mais il n'y a vraiment pas d'outils. Ok. Il y a des outils. Il y a des outils. Il y a des outils dans les boîtes. Attends, j'aime pas déballer mon dossier. Attendez, faites en même temps que moi, s'il vous plaît. Faites en même temps que moi. Avec la main, tu peux enlever. Elle va déjà monter. Et vous pouvez écouter ses conseils aussi, hein. Ok. J'enlève les deux. Les vis à la main. Les deux. Ouais, on écoute, on aurait pu des vis. Ok. Là, les roues, ils ont commencé. Alex, t'es insupportable. Mais j'ai pas déballé mon dossier. Mais enlève les vis, enlève les vis sur le côté. Là, sur le côté. Mais eux, ils sont. Nous, on n'est pas pareil, on est différents chacun. L'ambiance est délétère à côté. Ensuite. Là, tu vas aligner avec ta chaise. Alex. Mais Alex. Mais je sais pas où sont les écrans. Mais c'était exactement ce qu'on voulait en mettant Alex et Nounou dans la même équipe, c'était avoir cette discussion. Ok, tu vas aligner et tu vas prendre celui qui est immobile et pas celui qui est super dur. Elle a dit le mot movible. Déjà juste ça, moi ça m'impressionne. Ok. Et là tu vas commencer à reposer des vis que tu viens d'enlever. Ok, ça marche. Pour moi, c'est l'heure de la question de culture générale. Non. Je prends la caméra. C'est l'heure de la question bonus qui va vous permettre de gagner une minute de Max qui est juste là. C'est le monteur officiel de Max Nomic et il s'est monté une chaise en 7 minutes chrono. Donc à peu près là ce qui vient de se passer là. Vous avez le droit à une réponse chacun. Donc vous concertez. Chacun par équipe. Une réponse par équipe et vous devez vous concerter, ok? Ok. En quelle année a été créé YouTube? Moi je sais. Concertez-vous et je veux une seule réponse. Non, non, c'était les premières vidéos je crois sur YouTube. Mais quand est-ce qu'il a été créé? Il y a beaucoup plus longtemps. Non, YouTube c'était un site de rencontre avant. Réponse équipe B. 2005. Ah, on avait dit 2005 aussi. Ouais. Ok, vous avez tous les deux une réponse. Maintenant le mois. Non, mars. C'est février, donc c'est l'équipe de Marine qui gagne. Donc Max, t'as droit à une minute top chrono là pour aller les aider. Allez. Alors. Max de Max Nomic qui vient nous aider. Marine, dans ton travail de cadreuse monteuse, est-ce que tu peux me dire ton tournage préféré? Je me souviens de tout ce que j'ai fait. Ouais, de tout ce que t'as fait, tournage préféré. Je pense que c'est le mariage de Pierre et Ben. Ah, mariage de Pierre et Ben, c'est sûr. Ah ouais, bien sûr. Là, je fais un tour de tout le monde. Je vous pose des questions sur votre métier. Alex, ton tournage préféré? Tournage. À Maison Grise, ouais. Ton tournage ou un ou plusieurs, tu vois, vraiment un tournage que t'as aimé. On construit des cabanes avec Claude et Théo. Ah ouais. Claude Théoura, exactement. Ah ouais, gros fan de Koh-Lanta, mais c'est sûr. Ninoul. Ouais. Alors toi, t'es arrivé il y a pas très longtemps, mais est-ce que t'as fait un tournage que t'as aimé particulièrement? Est-ce qu'il y aura un zoom là? Non, mais c'est Agathe qui va choisir, c'est qui va faire le montage. Alors, j'ai bien aimé quand j'ai fait mon tout premier tournage. Devine le couple avec les personnes un peu plus âgées. Ah oui, devine le. Ah oui, c'est vrai. C'était mon tout premier tournage, j'avais très très peur et ça s'est bien passé du coup. C'était cool. Ah ouais, avec Fabien Licard, c'est ça? Ouais. C'est super. Alex, t'es un enfant. Non, mais ça, j'arrive pas. Putain, mais on a Alex dans notre équipe, c'est la pire chose. Vous avez droit encore de 20 secondes de Max, hein. Après. Regarde, déjà, ça ressemble à un truc là. Non, non, mais là, c'est pas mal. Geoffrey. Ouais. Ton tournage préféré que t'as fait à Maison Grise? Alors je vais le dire et le redire, La Nuit sur un Fil. La Nuit, excellent. Ah mais oui. Mais récemment on a fait le manoir. Ah le manoir, une nuit dans un manoir hanté. Pas mal. Vraiment très très bien. Vraiment bien, des grosses barres de rire. Agathe, ton tournage préféré, toi t'en as fait pas mal en plus. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. J'ai beaucoup aimé Ibiza. Ah oui, avec Pierre. Ouais, avec Pierre. Ah ouais. Pas le tournage. C'est pas le tournage, c'est le lieu en fait. Le dernier qui sort de la chambre froide. Ah d'accord. À moins 20 degrés. En vrai j'ai adoré. Ouais. La fin était cool aussi. Ouais, la fin était cool, on n'en parle pas. Assez. Ça, c'est secret de tournage. Et là, je vais voir mon BAG Tax, mon BAGT, mon rappeur préféré. Alors, Quentin, comment ça se passe là, ton petit. Bon, ça va super bien, là. Je suis en train de visser des petites vis là, comme ça. Hop, avec le service. Et ton tournage préféré J'en ai deux. Allez. Alors, un qui est à peu près évident, genre qui est le camion infernal. Évidemment. Ah oui, le camion infernal. Le deuxième, c'est un peu chelou, mais la pièce qui pue. J'ai adoré ce tournage. Quentin, toi, t'étais derrière la caméra et t'étais surbaqué. Toi, t'avais le pince-nez, t'avais le. Ah ouais, hyper bonne expérience. Max, ça y est, tu finis ton temps. Moi, je fais du montage vidéo à la base. Qui est le meilleur monteur? Là, c'est. Y a pas d'équipe qui se démarque. Non, tu peux pas dire ça. Un peu quand même, hein. Tu peux pas mentir continuellement aux gens. Hein. Ouais, y'a une équipe qui va s'asseoir sur sa chaise et puis ça va s'effondrer, quoi. Pourquoi ils sont déjà à ça? Mais pourquoi ça tourne dans le vide? Y'a que des phrases, trop bien. Pourquoi ça tourne dans le vide? Est-ce qu'elles sont bien? C'est pas mal, hein. Mais tu es embêtant. Tu es embêtant. Je t'ai trouvé un peu embêtant. Deuxième question bonus, si vous voulez une minute. En quelle année Pierre Cross a publié sa première vidéo sur YouTube? Pierre, dédicace pour toi, première vidéo sur YouTube. Je sais pas du tout en vrai. 2013, t'es sûr? Je pense 2012, 2000. Sinon, vous dites en même temps, pour pas qu'il y ait de gruge, ok? Je rappelle, ceux qui gagnent à une minute de Max. C'est bon, vous êtes prêts? 3,
2, 1. 2013. 2013, janvier 2013. Alors là, on a le combo, on a le combo ultime. On a Max et Agathe. Bon, vas-y, Alex, t'en es où là? T'en es à quelle étape? Je sais pas, faut mettre des caches, apparemment, je sais même pas ce que c'est. T'es sûr? Qui a décidé qu'il fallait mettre les caches maintenant? Ninou l'avait dit, faut mettre des caches. Mais Ninou, elle a pas lu la notice là. Oh là là, mais c'est fou, Max de chez Max Nomic là. Ah, mais il s'y connaît parfaitement. Il y a une team qui va avoir une belle chaise, un peu stylée. Vous, la vôtre, elle pourra même pas monter, descendre. C'est comme ça là, Agathe? Et après, t'auras juste à l'enfoncer. Ok. Non, pause. Ça y est là, on a une première chaise. Ouais. Tout le monde a retourné son siège. Okay. Putain, vite, vite, vite. Là, insère ton truc dessous là. C'est bon. Non, t'as pas fini encore. T'as des caches à mettre. Bon, vous avez vu, il y a du montage, il y a des zooms, il y a des plans accélérés. C'est fini. C'est vrai, une chaise. Donc, Geoffrey, premier à avoir fini sa chaise, sachant que... Ah non. Super important. Tu peux aller aider tes camarades, évidemment. Pas leur mettre un bonus à eux, là. Il me rend triste. Il va aider l'équipe adverse. Oh, Geoffrey, mais c'est fou. Geoffrey, qu'est-ce qu'il est sympa. Mais c'est terrible. Regarde, Alex. Alex. Ah, Geoffrey, qu'est-ce qu'il est sympa. Question bonus. Celui qui répond juste, il a le droit à 5 minutes de max. Quand est née Léane? Celui qui trouve la réponse, et la ville aussi, a le droit à 5 minutes. Je sais pas. En plus, je sais que je lui ai demandé la semaine dernière. Mais vous m'avez posé la question ce matin, hier. Tu peux répondre, en fait. C'est ça le but. C'est que tu réponds juste et que vous avez le droit à max. Ah. Alors, t'es née quand? Je crois que je suis née le 7 octobre. De quelle année? Je crois que c'est en 2000. Est-ce que tu confirmes? Ah, oh, c'est une 2000. Je crois. Oh, je crois qu'elle a bon. Allons. Tu peux aller l'aider. Il faut enfoncer. Vraiment comme papa dans maman. Ah merde, c'est monté ça. Mais c'est pas filmé. Ah si, merde. Quentin, il est pas mal là. Ouais, Quentin, il est bon. Max, je suis désolé, tu ne peux plus aider. C'est la fin et il n'y aura plus de questions bonus. Je crois que là, il y a une équipe qui est en train... Une chaise finie, non? Oh, une deuxième chaise finie? Ouais. Non, il manque le coussin. Et là, je crois qu'on est en train de se diriger fini vers une victoire. Pour valider définitivement, vous devez vous asseoir, vous aligner. Ah ouais? Et chanter une chanson ensemble. Hakuna Matata. Et Camille qui range, mais c'est magnifique. J'ai jamais vu Camille autant ranger. Bon, on m'a forcé, hein. Quentin, VHT, là, qui est en train de finaliser sa chaise. Mais là, c'est magnifique ce qui se passe. Regarde, il reste 3. Il reste 3. Ok. Eh, c'est bon, assis-toi. Et on chante. Attends, il manque un coussin. Et malheureusement. Victoire de l'équipe A. Non. Les oreilles du monteur. Vrai, bravo. J'aurais même pas pensé que cette team aurait réussi. Attends, c'est Alès qui négocie pour dire égalité. Alors... Mais toi, t'es là. Oui, je vais arrêter parce que de toute façon, on a perdu. Louloulou. Je suis trop nul. Mais parce que t'as... Regarde, là, ils sont trop mignons. Il y a une bonne entente. Ah ouais, la bonne entente. Et là, regardez, une équipe décidée, là. On dirait le Barça contre le Paris Saint-Germain. Ça sent bien de son côté, alors qu'ici, là, il y a une bonne entente. Déjà, vos impressions sur les chaises, vous êtes bien ou pas dessus? Ah, c'est super confortable. Vous avez gagné, donc vous avez le droit à 5 secondes de promo sur vos réseaux sociaux. Ok, wow. BAGT et Talon, et allez voir ce pub parce que c'est super bien. Mister Joe sur Instagram, je fais des vidéos drôles, voilà. Agado55 sur Instagram, super. Et bientôt une vidéo sur YouTube. Oh. Attendez, il y a une roue. Il manque une roue. Alex, il manque une roue. Allez, le premier qui monte sa roue. Elle est là. J'ai une roue. Alex, assieds-toi. Alex. Ce sont des enfants. Qu'est-ce qui se passe derrière moi là? Qu'est-ce qu'on a créé là? Il y a pas le coussin. Non, il y avait une roue en moins. Ouais, mais il y a une roue de chaque côté en moins. J'ai jamais vu ni autant investi là. Qu'est-ce qui se passe là? On va finir ce vlog. Voilà, donc vous avez vu les coulisses de Maison Grise avec tous les cadreurs monteurs. Que des enfants. N'hésitez pas à dire c'est qui votre cadreur monteur préféré en commentaire. Je remercie Max de chez Max Nomic, tu peux venir? Qui nous offre gracieusement et avec le code Vlogos. On a moins 40 euros sur une chaise. Exactement. Pour ceux qui veulent utiliser, pour ceux qui achètent une chaise ergonomique chez eux. Donc c'est pas que pour les gamers, c'est pour toutes les personnes qui sont en télétravail, qui ont envie d'avoir du confort chez eux. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui bossent pas au bureau en ce moment. Donc lien dans la description pour moins 40 euros avec le code Vlogos sur le site de Max Nomic. Un mot de la fin. Bisous. Abonnez-vous à toutes les chaînes.